année concernant saison cyclone qui rouvre, Crispette. Oui, effectivement. Bonsoir Liliane, bonsoir Antoniel, bonsoir toute équipe là. Oui, jeudi là, et jeudi, vraiment, c'est ouverture officielle saison cyclonique là pour l'année 2022 sous bassin Caraïbes blanc, Atlantique Nord avec Golfe Mexique. Et saison ça a fini jusqu'à 30 novembre 2022. Experts qui n'ont domaine, d'après prévision, ils ont fait, saison ça capable très agité. Et déjà gagné 13 à 19 tempêtes tropicales qui déjà gagné non sous papier. Entre temps, gagné 6 pour y 9 nayo qui capable renforcer un ouragan de catégorie A3. Ça fait gagné jusqu'à 5. Nous gagné UHM, les mêmes qui promettent, comme d'habitude, bon côté population, hein, pour continuer informer avec support Radio Kiskeya. Et nous invitons tout secteur dans la vie nationale là pour permettre une plus bonne gestion saison 1 côté année ça n'a bataille pour ta gagner et dégâts très limités et encore pas ta doué gagne moun mouri. Entre-temps, mais qui ça qui gagne dans affaire météo pour après-midi à Kasoya, nous gagnons combinaison entre une zone côté pression ou en piwo dans niveau Atlantique là. Et ensuite, il y a un centre côté pression en pays bas, sous pays Colombie. Eh bien, ça qui pral met à chaleur, journée en effet local, pral facilité. Activité la plus faible à modérée dans le département nord-ouest, centre, la Tibonite, l'ouest, sud-est, pour Assoya. Pour Port-au-Prince, à zone qui entoure nous, il y a possibilité que quartier capable toujours bénéficier si activité la pluie pour Assoya. Pour la meilleure, c'est prudence, côte nord, côte lagonave avec côte sud. Soleil en lui-même l'a couché à 7h21 pour lever demain matin à 6h13. Température a tombé à Soya entre 18 à 24 degrés Celsius en moyenne. N'a pas rappelé jeudi encore, c'est ouverture officielle saison cyclonique là. Expert au prévoir gagner 13 à 19 tempêtes tropicales qui déjà gagnent non sous papier. Nan yo, il y a pour renforcer entre 6 à 9 qui capable tourner ouragan de catégorie 2 ou bien 3 nan échelle Saffir-Simpson. N'a pas de collaboration tout monde y compris monde qui nan zone vulnérable pour capable adopter un comportement qui pour faciliter yo toujours gagner la vie et nous limiter tous à faire dégâts au niveau matériel yo. N'a pas monsieur Liliane, n'a pas monsieur Antoniel, toute équipe là, auditrice Radio Kiskeya. Nous souhaitons une passer un favorable fin d'après-midi. Rendez-vous pour qu'un des auditeurs toujours informés. C'est à tout demain, jeudi après-midi. Bonne fin d'après-midi, Liliane. Au même temps, Christophe, n'a pas demain. Merci, Liliane. On continue avec patron. Nicole, ça. Unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, ingénieur Marcelin Esterlin, rencontré l'après-journée jeudi pour l'annoncer officiellement ouverture saison cyclone le 1er juin, arrivé 30 novembre 2022. Et il y a 21 non-cyclones, spécialistes météo prévoir dans le cadre de saison cyclonique. Ça cap très intense. Et dans l'interview Libaye Radio Kiskeya, dans Bioline et UHM dans Clessine et directeur unité hydrométéo a précisé selon prévision expertio période cyclonique en année ça la intense en pile a grand pile activité cyclone et il prévoit sous 19 systèmes qui gen non et il a parlé de 9 ouragans et gen 4 à 5 gros ouragans qui capable frapper Haïti malheureusement avec l'autre pays dans Caraïbes là. N'a souhaité pour ça pas fait. Parmi 21 noms et si qu'on a ouragan ça yo qui disponible pour année ça ou joine Owen, Paula, Virginie, Walter, Alex, Colin, Daniel, Julia, Nicole, Richard et qui fait partie de même liste qui était disponible depuis pour l'année 2016. Alors là yo bay cyclone yo non là li passé yo retiré non. Et puis s'il pas passé, il conserve non, puis il y a l'autre nom qui vient ajouter dans liste. Il fait connaître Haïti, quoi connaître